C'est vrai que depuis que nous sommes ici dans le pays de Châteaubriand, on s'investit complètement, que c'est un pays qui nous plaît. On aime la pierre bleue, puisque bon, sur la commune de Grand Auvernais, on est le deuxième site de la pierre de schiste, de la pierre bleue. Et c'est une pierre qu'on aime travailler, et c'est pour ça qu'on est venu s'installer ici. Eh bien, le manoir est ouvert depuis pratiquement un mois, depuis le 1er octobre. Et nous avons commencé à faire nos premières réceptions, mariages et réunions d'entreprise dans nos salles. Le manoir est du 15e, comme on peut le voir, 15e et 16e siècle, pour sa plus grande partie. Nous sommes ici au manoir du Grand-Val depuis presque 5 ans maintenant, avec 4 ans de travaux intenses. Et depuis le 1er octobre de cette année, nous avons ouvert nos salles pour recevoir des réceptions familiales et professionnelles. Et depuis peu aussi, nous avons ouvert 3 chambres labellisées Gîtes de France, 3 épis, où on aura l'occasion de servir des petits déjeuners et repas. Alors les salles sont vouées aussi bien aux réceptions familiales que pour les séminaires. Elles sont adaptées dans les deux cadres, professionnels et grand public. Ça peut aller de 20 personnes à 200 personnes debout. Elles sont équipées pour recevoir le public aussi bien en hiver comme en été, avec des salles chauffées ou climatisées pour l'été. Alors c'est ouvert toute l'année depuis le mois d'octobre, on a commencé à faire nos premiers mariages et réceptions de famille. Et puis on a aussi commencé un tout petit peu à travailler avec les professionnels pour du séminaire. Alors on est en liaison évidemment avec les offices de tourisme de la région, l'ADT. On essaye de travailler avec le conseil général pour développer justement notre manoir, enfin nos salles de réception et nos chambres, mais aussi on souhaite dans le futur organiser festivals et des expositions de peinture. Le printemps, on va dire, le printemps 2009. Nous sommes dans la salle médiévale où, comme vous pouvez le voir, tout est prêt pour recevoir un séminaire. Aujourd'hui, elle est équipée pour recevoir 80 personnes, mais nous avons aussi l'autre salle, la salle des gardes, qui, elle, peut recevoir en place assise 110, 120 personnes. Il y aura un interprète pour les sourds qui parlent le langage des signes. Eh bien, il suffit de réserver, évidemment, de nous passer un petit coup de fil, on prend les réservations.